Bienvenue à vous tous, mes chers amis Lyon, pour votre tirage complémentaire sentimental de ce mois de décembre. Je vais utiliser, comme hier, l'oracle des rebelles sacrés et je vais vous synthétiser ce tirage sentimental avec l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti, on y va. On va voir donc ce qui va donc se passer au niveau sentimental. Je demande à l'univers, pour tous les lions ici présents et les lionnes, un tirage en croix. Merci. Voilà. Et la synthèse de ce tirage. Allez, c'est parti. On a ici la première lame, comme vous avez l'habitude. Cette première lame correspond aux éléments positifs, aux atouts. L'éclairage de votre problématique de ce mois de décembre, c'est de suivre votre propre rythme. Alors dites-moi en commentaire, quel est votre rythme? Est-il lent, équilibré, rapide? Comprenez que la vie est une danse, comme vous le voyez ici sur cette magnifique lame. La vie est un jeu. La vie est une danse. Il faut suivre son propre rythme. Ça ne sert à rien d'aller rapidement si c'est pour s'épuiser. Ça ne sert à rien de ralentir si vous êtes une personne hyperactive. Comprenez que tout est équilibre. Alors à travers ce tirage sentimental, au niveau amour pour ce mois de décembre, si vous voulez accélérer une relation, ça ne se produira pas. Si vous voulez tout simplement prendre le temps de vivre et que la personne en face est une personne qui n'a pas le temps, ça ne fonctionnera pas. Parce que tout est vibration, tout est connexion. Faut vraiment que tu comprends ça, d'accord? Alors l'obstacle, tout simplement, c'est de suivre son propre rythme. Et l'obstacle, c'est cette libération de tes blessures. Libérez-vous des blessures et laissez l'amour vivre. Lâche prise, voilà ce que ça veut dire. Regarde bien. La vie est en jeu, il faut arriver à lâcher prise. Tu ne peux pas contrôler la personne en face de toi. Donc, si tu ressens de l'amour pour la personne en face de toi pour ce mois de décembre, si tu ne lui dis pas, cette personne ne peut pas le deviner. Elle n'est pas médium. Peut-être que si, mais ça tu ne sais pas, d'accord? En règle générale, ici on t'indique tout simplement de suivre ta voie, d'accord? Et de lâcher prise. Tu ne peux pas contrôler le monde extérieur, c'est comme ça. Tu peux contrôler ta propre vie et c'est déjà très bien ainsi. Alors maintenant nous allons voir la situation, l'évolution à court terme, d'accord? Et à court terme, on a cette lame ô combien puissante. Elle sent, elle sait. Et je le sais. Et je le ressens. Personnellement. Toutes ces blessures, ces attaques, ces auto-sabotages que tu as eu dans le passé, que tu t'infliges actuellement parce que tu ne crois pas en toi. Elle regarde le passé. Et dans ton passé, qu'est-ce qui s'est réellement passé?
Est-ce que tu vis véritablement l'instant présent? Ou est-ce que tu vis constamment dans le passé en espérant qu'un futur s'améliore? Tu comprends? Il est important pour toi de te concentrer sur l'instant présent et de ne pas te focaliser sur ton passé. Maintenant, nous allons voir sur le long terme, libéré des jugements, libre d'aimer. Tu as cette capacité de sourire à la vie. Donc, que vas-tu donc faire? Tu vois, la vie prend sens. Si tu sais que la vie est en jeu, que tu sais que tu ne peux pas contrôler les autres, à part toi-même, que tu sais que ça sert à rien de retourner dans son passé, sauf si c'est pour vivre des vies antérieures, mais ça, ce n'est pas le but aujourd'hui. Tu sais que tu peux sourire à la vie et tu peux te libérer de toutes ces auto-sabotages, de toutes ces croyances limitantes envers toi-même et envers les autres. La synthèse de ce tirage, bah, tout simplement, c'est la roue, c'est le changement. Tu le vois ici, le changement. Accepte le changement. Accepte que tu peux être aimé. Si tu stoppes le contrôle envers les autres et que tu t'apprécies pleinement, que tu sais que c'est dans l'instant présent que tu crées ta nouvelle vie, alors le changement va arriver. Car c'est ici et maintenant que tu vas produire le meilleur de ton avenir. Prends-en conscience. Avance à ton propre rythme. Il peut être lent, il peut être rapide. Tout dépend de la personne que tu es. Accepte que le changement arrive, d'accord? Et ne te braque pas dans ton passé. Cela ne sert à rien à part perdre ton temps. Je te souhaite une excellente et lumineuse journée. Je te remercie de ton abonnement, de ton partage. Et si tu veux aller plus loin, tu peux t'offrir un soin énergétique des 7 chakras, comme nous l'avons vu. Un accompagnement à mes côtés, en présentiel ou à distance. Et puis, bah, tout simplement, tu peux t'offrir le nouveau livre, L'énergie de l'amour, l'amour sans attente, que je t'ai créé et qui est sorti il y a quelques mois de cela. Je te souhaite en tout cas une lumineuse et merveilleuse journée. J'espère que ce tirage t'aura impacté positivement et je te souhaite une merveilleuse vie, un merveilleux parcours dans ta vie de tous les jours. Bye!